Ligne. Je me nomme Monique et j'ai l'immense privilège de faire partie de notre équipe pastorale. Si vous êtes à l'écoute pour la toute première fois, euh, permettez-moi quelques mots pour vous euh, présenter notre église. Alors, l'église de Portail, c'est une église représentée sur quatre sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Et pour Pâques 2023, Dieu voulant, nous ouvrirons le cinquième site à Montréal-Nord. Notre mission, c'est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Je vous invite à naviguer sur notre site internet au www.égliseportail.com. La page Facebook contient également des informations utiles sur nos réunions. Notre église offre différentes activités hebdomadaires, dont Clic, qui est un ministère consacré aux enfants, de la naissance jusqu'à 12 ans, et qui est disponible à tous nos sites lors des réunions le dimanche matin. Et également, nous offrons des réunions pour les ados, le groupe Accès, et les jeunes adultes PJA. Ces groupes se rencontrent les vendredis soirs au site de Laval dès 19h30. Pour information, allez simplement visiter leur page Facebook. On offre aussi des moments de connexion très précieux pour notre Église par le biais des petits groupes qui se rencontrent habituellement, mais pas exclusivement, dans les foyers. Vous avez accès à quelques informations sur notre site Internet et si vous avez des questions, écrivez-nous à Petit groupes au pluriel à portail.com. Finalement, par la diffusion des messages en ligne, on a l'opportunité de partager la bonne nouvelle de Jésus à chaque semaine. Alors nous sommes heureux que vous soyez à l'écoute et sans plus tarder, écoutons ensemble la parole de Dieu pleine de grâce et de vérité. Je vous souhaite une bonne réunion. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça fait exactement 15 ans que je suis devenu pasteur principal de l'Église de Portail. Donc c'est un, un jour spécial et... Euh... Quand je pense à un pasteur principal, quand je pense à ce que Dieu m'appelle à faire, j'ai deux images. Vous savez, il y a 15 ans, cette église, l'église de Portail, qu'on appelait à l'époque Église évangélique de la Rive-Nord, cherchait un pasteur et, et on m'a approché. Et dans un premier temps, euh, je sentais pas que Dieu m'appelait ici. Et euh, je vous évite les détails, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais euh, dans un moment de jeûne et prière où je demandais « Seigneur, révèle-moi ta volonté euh, ». Une des paroles que le Saint-Esprit m'a amené, c'est dans Matthieu 9, 36, où Jésus voit la foule. Et il voyait la foule là s'abattue abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et c'est à ce moment-là que Dieu a déposé un fardeau sur mon cœur pour cette église qui est maintenant notre église, mon église. Et euh, je suis extrêmement béni depuis 15 ans de pouvoir servir parmi le peuple du portail. Mais quand je pense à un pasteur, je pense également à un champ de bataille. Vous savez, l'église est un, une, une bergerie, mais l'église est également dans une guerre spirituelle. Et comme dans tout champ de bataille, euh, on doit, il y a des soldats qui doivent faire avancer la cause. Donc, en tant que pasteur, on va faire avancer la cause de l'Évangile. Mais de l'autre côté, sur les champs de bataille, il y a des soldats, mais il y a des blessés. Et en tant que pasteur également, de la même manière que tu dois faire avancer la cause de l'Évangile, tu dois prendre soin de ceux qui sont blessés. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le livre de Job, où Dieu va susciter un pasteur. Un pasteur qui va venir sur le champ de bataille alors que Job est blessé, qui va venir dans la bergerie alors que ses amis sont là, croient en Dieu, mais c'est un peu la pagaille. Dieu va susciter un homme qu'on appelle Eliou. Et quand je regarde à Eliou, je vois vraiment l'image d'un pasteur. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est simplement Le ministère selon Eliou. Et on va regarder la prédication des lieux et pour ces 15 ans, il y a 15 vérités sur le ministère que j'aimerais partager. Puis alors que tu m'écoutes, tu te dis mais pasteur, okay, tantôt, moi je suis pas dans le ministère. Je veux juste te rappeler que la Bible dit que tous les croyants sont dans le ministère. Le ministère n'est pas une question d'être payé à temps plein. Le ministère n'est pas une question de titre. Le ministère veut dire le service. Et plusieurs chrétiens ont l'image du ministère ou du pasteur comme étant un peu une femme de ménage. Vous savez l'église est la maison de Dieu. Et comme une femme de ménage, tu payes la femme de ménage pour qu'elle prenne soin de ta maison, qu'elle nettoie ta maison. Euh, souvent, on imagine que le pasteur est payé pour faire le ménage, c'est-à-dire le ménage spirituel pour garder la maison de Dieu en ordre. Mais le pasteur ne sert pas à ça. Vous savez, le pasteur n'est pas libéré à temps plein pour faire le ministère. La Bible dit que le pasteur est suscité par Dieu pour former les chrétiens pour faire le ministère. C'est comme si ta femme de ménage vient te voir. Et elle te dit, voici, tu m'as payé et, et je vais t'apprendre comment passer le balai. Je vais t'apprendre comment nettoyer la salle de bain. Tu as l'impression de te faire avoir. C'est pas pour ça que tu payes la femme de ménage, mais le ministère, le pasteur n'est pas payé pour faire le ministère. Encore une fois, nous sommes là pour former le peuple de Dieu parce que nous sommes un royaume de prêtres. Il n'y a pas d'une catégorie de l'élite spirituelle que sont les pasteurs et les autres. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons tous l'onction, nous avons tous un même accès au trône de la grâce et nous avons tous un même appel à faire le ministère jour après jour et à faire avancer la cause de l'évangile. Autour de nous, quelqu'un devrait dire Amen à la maison. Donc, ouvre avec moi dans le livre de Job, le 32e chapitre, où on voit Eliou qui arrive dans la bergerie. Et si tu déjà, vous savez, la Bible dit que les, les, les chrétiens sont des, des brebis, que l'Église est une bergerie, et souvent on a une vision poétique, mais as-tu déjà été dans une bergerie? C'est sale, ça pue, c'est la pagaille. C'est l'image de l'Église. L'Église n'est pas encore une fois un musée ou pour des, des saints. L'Église est un hôpital pour les malades, est une bergerie. Et on voit notre ami Liu qui va arriver dans une bergerie où c'est la pagaille. Il arrive sur le champ de bataille où, encore une fois, je me répète, on a un Job qui est blessé et Dieu le, le suscite pour faire un ministère envers Job et envers ses amis et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, Discours d'Éliou, chapitre 32, le verset 1 à 6. Donc, je te rappelle que Job est éprouvé, Job est malade, Job a tout perdu, Job a perdu ses enfants, Job a fait faillite. Et Job a trois amis qui tentent de comprendre ce qui lui arrive, et ces trois amis au lieu d'encourager Job, vont le décourager, Ils vont dire qu'il y a du péché dans sa vie, même vont remettre en question Dieu, Job va remettre en question la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Et c'est là qu'Eliou arrive. Ces trois hommes s'insèrent de répondre à Job parce qu'il se regardait lui-même comme juste. Alors, s'enflammant la colère d'Eliou, fils de Barakel, de Bouze, du clan de Ram, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait entendu pour parler à Job. Mais Elihu avait vu que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche et sa colère s'était enflammée. Eliou, fils de Barakel de Bouse, prit la parole et dit Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai tremblé et j'ai craint de vous expliquer mon savoir. Ça va être une prédication un peu différente où je veux rendre grâce à Dieu pour ces 15 années de ministère au portail et, fondée sur la parole de Dieu, euh, t'enseigner des principes qu'Elio enseigne, à la parole de Dieu enseigne sur le ministère. Et la première chose qu'on voit ici, c'est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas les meilleurs. Dieu appelle des hommes et des femmes ordinaires et par sa grâce les forme pour faire le ministère. Eliou, dans l'histoire de l'Église, a été vu comme un jeune arrogant incompétent. Je m'identifie à Eliou. Lorsque je suis au portail, j'avais 32 ans. Tout jeune. Et j'avais l'arrogance de la jeunesse. En fait, pas tellement en arrivant au portail, mais au tout début de mon ministère, vous savez, on croit être celui qui va tout changer, celui qui va amener le réveil. Une forme d'arrogance. Et lorsque je suis au portail... J'étais un jeune incompétent. Je ne savais pas comment prendre soin d'une grande église. Euh, je n'avais jamais eu une équipe. J'avais toujours œuvré seul. Euh, J'avais plein de failles dans ma théologie. J'avais plein de, de, de compétences qui me manquaient. Mais Dieu, dans Sa grâce, a fait dans ma vie ce qu'il a fait dans la vie d'Eliou. Alors qu'Eliou était imparfait, alors qu'il se met en colère, alors qu'il est impulsif, alors qu'il est arrogant, alors qu'il qu pense avoir la réponse, Dieu se sert d'Eliou pour parler au travers de lui. Et c'est pourquoi on a dans le livre de Job six chapitres sur la prédication d'Eliou. Aucun personnage n'a autant de temps de parole. La preuve qu'Eliou est approuvé de Dieu, c'est qu'à la fin, lorsque Dieu va reprendre Job et ses trois amis, il ne reprend pas Eliou. Non seulement Dieu ne le reprend pas, Job qui répond systématiquement à tous les commentaires, tous les encouragements, toutes les critiques. Job ne répond pas à Eliou, il est comme bouche B. Pourquoi? Parce que Eliou apporte une nouvelle perspective. Et lorsque je regarde à ce que Dieu a fait dans les 15 dernières années, il le fait hey, au-delà de mes compétences. Euh, un jour, un homme décide de faire un, une grande fête et invite plusieurs jeunes hommes pour trouver un mari pour sa fille. Et, et c'est un homme qui est très, très riche. En fait, c'est un roi, très, très, très riche. Puis là, il a une piscine. Et il dit au jeune homme, il dit, le premier saute dans la piscine, qui traverse la piscine de l'autre côté, je lui donne ma fille en mariage, je lui donne un château, je lui donne les plus grands trésors. Le seul problème, c'est que la piscine est pleine de crocodiles. Au même instant, on entend fouf! Et là, il y a un jeune homme qui traverse, qui nage comme un, vraiment un déchaîné, il sort de la piscine. Et là, tout le monde l'applaudit, ouh! Et là, on vient le voir, on dit, waouh! Il dit, je veux juste savoir une chose. Qui m'a poussé? Et je me sens un peu comme ça. Euh, il y a 15 ans, euh, très humblement, j'ai réalisé que je n'étais pas compétent pour être pasteur de cette église. Et la première, après quelques jours, je me suis dit, mais qui m'a poussé? Dieu m'a poussé. Dieu nous amène toujours à faire au-delà de nos compétences. Et dans sa grâce, une des raisons pourquoi je ne trouvais pas l'église attrayante, parce que j'étais moi-même, presque en épuisement spirituel. J'étais moi-même. Presque sur le bord de démissionner. À aller implanter une église auparavant, j'étais dans une période d'échec, de remise en question, où je me posais des questions. Est-ce que vraiment je suis appelé au ministère? Est-ce que vraiment je suis un bon prédicateur? Est-ce que je suis un bon pasteur? Je suis pas fait pour ça. Même auparavant, j'avais écrit une lettre de démission de l'église où j'étais auparavant parce que je trouvais que je n'étais pas apte et compétent pour le ministère. Et Eliou est un peu comme ça. Alors qu'Eliou est un, un incompétent, il est où? Le nom veut dire, il est mon Dieu. Et la seule chose qui fait la différence dans ma vie, c'est que le Seigneur, il est mon Dieu. Si Dieu est ton Dieu, si le Dieu de la Bible est ton Dieu, si Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur, il va faire dans ta vie des choses que tu ne peux penser ni imaginer parce que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appeler Quelqu'un devrait dire Amen. Et je continue. Chapitre 32, verset 7 à 8. Il continue en disant Je me disais, l'âge avancé sera parlé, le grand nombre des années fera connaître la sagesse, mais en réalité, dans un homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Deuxième chose que j'ai apprise dans ces 15 dernières années, c'est que le ministère est impossible sans le Saint-Esprit. Elihu dit Mais en réalité, dans un homme, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui lui donne l'intelligence. Tous les pasteurs d'église pourront dire que sans le Saint Esprit, le ministère est impossible. Dans ta maison, sans le Saint Esprit, le ministère est impossible. Au quotidien, sans le Saint Esprit, le ministère est impossible. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas convertir des gens par nos propres forces. Quelqu'un qui est mort dans son péché, même le meilleur prédicateur du monde ne peut le ramener à la vie. Lorsqu'on fait du counseling, lorsqu'on conseille des gens. S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, nous sommes limités. On ne peut pas faire plus que le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un état d'impuissance. Seul le Saint-Esprit te rend capable de faire ce que la chair est incapable de faire. La croissance de l'Église ne peut être provoquée par des méthodes. Ça peut fonctionner un temps, mais à long terme. La croissance de l'Église a besoin de Saint-Esprit. Dans les actes des apôtres, on voit que l'Église s'accroissait par le Saint-Esprit. Je veux juste déclarer qu'au portail, le Saint-Esprit est l'oxygène du peuple de Dieu. On peut avoir tous les programmes du monde, mais si le Saint-Esprit ne ramène pas à la vie, tout est vain. Je veux déclarer au portail que lorsqu'on fait du counseling, encore une fois, le Saint-Esprit est le vent qui conduit dans toute la vérité. Le ce qu'on dit aux gens, est à voile, et c'est le Saint-Esprit qui pousse. Au portail, le Saint-Esprit est l'essence dans notre voiture. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de faire le ministère. Si tu aspires au ministère, réalise que tu dépends du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire ce que tes talents ne peuvent pas faire. Le Saint-Esprit va faire ce que ton charisme ne peut pas faire. Le Saint-Esprit va faire ce que tes compétences ne peuvent pas faire. Frères, ça, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Et 15 ans plus tard, je peux déclarer que tout ce qui fonctionne dans ce ministère, dans cette Église et dans ma vie, c'est gloire au Saint-Esprit. Et Eliou continue, pasteur Eliou continue, versets 18 et 19. Il dit Car je suis tout plein de propos, l'Esprit me presse au-dedans de moi. Voici qu'au-dedans de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des autres neuves qui vont éclater. Souvent, on me pose la question sur la pression du ministère. Je veux juste déclarer haut et fort que la pression du ministère est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est où dit, à l'intérieur de moi, il y a comme une pression. Pourquoi est-ce qu'en tant qu'Église, puis il y a des croyants, tu peux dire la même chose, non seulement les pasteurs. Vous savez, le ministère, l'Église, par définition, c'est porter des fardeaux, c'est vivre des difficultés. C'est assumer des critiques. C'est des crises, c'est des drames, c'est des incidents, c'est des accidents, c'est des scandales, c'est des divisions, c'est des décès, des maladies, c'est des divorces. Dans la vie d'une église, ça, c'est comme on dit au Québec, c'est la poutine. C'est normal. Maintenant, pourquoi est-ce que Iliou n'est pas écrasé par la pression? Parce que la pression à l'intérieur d'Iliou est plus grande qu'à l'extérieur. C'est comme si tu prends, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette analogie, si tu prends une pomme de terre, tu prends un œuf et tu prends du café, des grains de café, et tu les mets dans les mêmes conditions, tu prends trois chaudrons, tu fais bouillir de l'eau, il arrive quoi? Tu mets la pomme de terre dans l'eau bouillante, tu mets l'œuf dans l'eau bouillante, tu mets le grain de café dans l'eau bouillante. Les trois vont réagir de manière très différente à la même épreuve. La pomme de terre va sortir ramolie. Quelquefois, en tant que chrétien, en tant que pasteur, dans, dans, à servir le Seigneur, après des années, on peut ramollir par l'épreuve. Si tu prends l'œuf, un œuf à la coque, à l'opposé, certaines personnes vont, vont s'endurcir, vont devenir insensibles. On est tellement confronté à la misère que notre compassion s'effrite. On devient insensible, on devient dur. Ça, ce n'est pas le ministère selon le cœur de Dieu. Puis quand tu regardes le grain de café, il s'est passé quelque chose de complètement différent. Le grain de café dans l'eau a transformé l'eau en café, a transformé quelque chose d'ordinaire en quelque chose de succulent. L'enfant de Dieu croit que dans sa maison, au travail et dans l'église, nous réagissons comme le café. Au travers des années, nous ne laissons pas l'épreuve et les difficultés nous ramollir. Nous ne laissons pas l'épreuve nous endurcir, mais nous croyons que par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, Dieu nous place dans un endroit pour transformer les choses, pour impacter les choses, pour faire quelque chose de meilleur par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est pasteur, et c'est pour ça qu'on sert Dieu, et c'est pour ça qu'on est chrétien, parce qu'on croit que par la grâce de Dieu, on peut prendre quelque chose et en faire quelque chose de mieux. La pression du ministère est plus grande qu'à l'extérieur, à l'intérieur, qu'à l'extérieur. Pourquoi au travers des années, nous persévérons? Parce que quelque chose à l'intérieur de nous qui est plus fort que toutes les circonstances extérieures, il y a un besoin, il y a une pression de communiquer Jésus, de voir des gens guéris, restaurés, délivrés par Jésus. Et notre ami, Pasteur Léo, continue. Verset 20. Je parlerai pour respirer à l'air, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne ferai pas de considération de personne et je ne flatterai pas un être humain, car je ne sais pas flatter, mon Créateur m'enlèverait bien vite. Wow! Je vais être très transparent. Puis évidemment, je parle du pastorat, je parle du ministère, ça s'applique à la vie chrétienne. Message un peu différent ce matin. Le plus grand défi du ministère, puis même du chrétien, et de vouloir plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. où dit Dieu me placer là pour faire son œuvre et non pas pour plaire aux hommes. Vous savez, même les pasteurs, on a quelque chose que tous les chrétiens, que tous les êtres humains ont on veut être aimé. On veut être aimé. Et le, le plus grand piège du pasteur, c'est de prêcher des choses pour être aimé, de prendre des décisions pour être aimé. Eliou dit Non, il dit. Je suis appelé pour servir Dieu. Comme j'aime le dire, je ne fais pas ce qui est populaire, je fais ce qui est nécessaire. Hein, L'apôtre Paul va dire dans Galates 10, si nous voulions plaire aux hommes, nous ne serions pas des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu nous appelle pour lui plaire d'abord. Et un des défis souvent de fois, nous sommes étirés même en tant que croyants de faire ce qui est populaire et faire ce qui est nécessaire. En tant que parents, on ne fait pas toujours ce qui est populaire. Les parents qui m'écoutent, est-ce que tu es populaire envers tes enfants? Non. Pourquoi? Parce que tu fais ce qui est nécessaire. As-tu remarqué que les, parents de te, de, que les parents des amis de tes enfants sont toujours les plus cool? Ils hein, sont toujours comme, ah, eux, ils peuvent. Ils hein, sont toujours plus populaires que toi. Pourquoi? Parce qu'en tant que papa et maman, tu fais ce qui est nécessaire, pas ce qui est populaire. Hein, le garagiste, un bon garagiste, lorsqu'il te pose la question, est-ce que tu as le goût? Est-ce que tu as le désir de payer 1500 dollars pour un nouveau moteur Non, mais si c'est nécessaire, c'est pas populaire, mais c'est nécessaire. Le médecin, quand le médecin te dit tu dois passer par une opération, c'est pas populaire, c'est nécessaire. Et en tant que pasteur, j'ai appris qu'on doit faire ce qui est nécessaire et non pas ce qui est populaire. En fait, toutes les grandes décisions que j'ai prises ministériellement dans ma vie ont suscité L'impopularité. plusieurs années, lorsque notre Église grandissait et on a décidé de passer à deux cultes, à deux réunions, ça n'a pas été une décision populaire. Les gens ont dit « On va en demander plus aux bénévoles, ça va être plus d'efforts, plus de ménages, plus de si, plus de... » Mais c'était nécessaire. Euh, il y a plusieurs années, euh, j ai, j ai, on a écrit au tableau tout ce que notre Église faisait et on, on avait 55... Euh, Excusez-moi, on avait 75 ministères... Pardonnez-moi, 65. Je vais y arriver, je vais y arriver. 65, je vais donner le bon chiffre. 65 ministère, activité, euh, et on a décidé d'en couper 60 pour en garder 5. Ça n'a pas été très populaire dans l'Église, mais c'était nécessaire. Euh, au travers des années, euh, lorsqu'on est arrivé, il y a eu plusieurs choses qu'on a faites. Euh, par exemple, le christocentrisme. Lorsqu'on a décidé d'être une église centrée sur Jésus pas centrée sur d'autres choses, ça n'a pas été populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent faire des danses avec des drapeaux, il y a toujours des gens qui veulent faire ci, qui veulent faire ça. Et quand tu ramènes tout seulement à Jésus, ce n'est pas toujours populaire. Euh, et je pourrais continuer. Lorsque j'ai commencé à faire prêcher des jeunes prédicateurs, des gens qui ont dit, tu ne peux pas faire ça au portail. Le portail a un rayonnement, il a une influence. Il doit, tu dois simplement mettre des gens qui ont de l'expérience. Mais moi, je me suis dit, mais si les jeunes prédicateurs, on ne leur donne pas l'expérience, où ils vont prendre cette expérience? Donc, ce n'était pas une décision populaire, mais c'est une décision nécessaire. Et aujourd'hui, nous récoltons de voir cette belle équipe de prédicateurs au portail. Euh, lorsqu'on a décidé d'avoir une, une ecclésiologie, c'est-à-dire une, une vie d'Église plus cohérente, lorsqu'on a dit au portail, nous ne sommes pas un Costco. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, bien. La Bible dit que tu dois passer dans les eaux du baptême. Puis, quand tu te passes dans les eaux du baptême, tu es membre vivant de l'Église locale. Lorsqu'on a dit qu'on ne présente pas des, 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 des. On fait pas des cérémonies de consécration à la chaîne pour des gens qui viennent à l'Église une fois par deux ans. Euh, la communion, ce n'est pas quelque chose qu'on prend comme dans un buffet. C'est lorsqu'on était cohérent, cohérent, qu'on a mis l'accent sur l'importance d'être engagé envers Jésus et envers la famille de Jésus. Ça n'a pas été populaire, mais ça a été nécessaire. Dans la pandémie, nous avons pris des décisions qui n'ont pas toujours été populaires, mais des décisions qui étaient nécessaires. Et comment qu'on peut prendre ce genre de décision? C'est Bonhoeffer qui dit, « Quand Christ appelle un homme, il lui dit de venir et de mourir. » OK. Je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais dans, pour ce 15 ans, j'aimerais te donner un petit peu plus de détails pour que tu comprennes un peu d'où je viens. Moi, quand je suis arrivé au portail... J'étais un homme mort. J'en ai, par... ai déjà parlé brièvement tout à l'heure. Je suis arrivé et j'avais implanté une église, j'avais vécu un échec. L'église a fermé euh, après que je suis arrivé au portail. Et pour moi, là, je vivais ça comme un échec. Et, et quand je suis arrivé ici, parce que j'avais l'impression que Dieu m'avait donné une vision auparavant et la vision ne s'est pas accomplie. J'avais un rêve qui ne s'est pas accompli. On parle beaucoup du rêve, la vision. Pis. Et quand je suis arrivé ici... J'ai fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, je vais y aller, puis je vais faire seulement une chose je vais être un berger, je vais prendre soin du peuple, je vais juste prêcher la Bible. Pas de vision, pas de rage, je vais juste prendre soin des gens. Au travers les, les, les mois avant ma venue ici, j'ai remis en question, j'en ai parlé tout à l'heure, le fait que j'étais appelé. Euh, dans l'église où j'étais, il y a eu des moments où euh, je devais travailler. Parce qu'il y a des semaines où euh, on me disait Bon, bien, on n'a pas, pas assez d'offrandes, tu ne peux, peux pas avoir un salaire, tout ça. Euh, je livrais des journaux le matin avant d'arriver à l'Église. J'arrivais à l'Église, je prêchais l'Évangile, puis le matin, toute la nuit, j'avais passé des journaux. Je me suis blessé à l'épaule. En ce jour tant bursite de j'ai un rendez-vous bientôt, ce pas guéri. Euh, je suis arrivé non seulement blessé physique, dans mon âme, dans mon âme, euh, de voir, de devrer, d'être un épuisement spirituel, tout ça. Et tout ça pour dire. Que je me souviens un jour, je travaillais une nuit, puis je disais, Seigneur, moi, je vais tout lâcher, je vais tout abandonner. Et, et j'ai senti Dieu qui a dit dans mon cœur, tu as maintenant un choix. C'est soit que tu t'accroches à ta vision et tu meurs avec, ou soit tu t'accroches à ton appel et tu continues. Vous savez, souvent, on a une vision du ministère très, très précise, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est ma vision? Où est-ce que c'est l'appel de Dieu sur ma vie est être un berger? et À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, ce qui est le plus déterminant dans ma vie, ce n'est pas mon rêve. C'est ton appel sur ma vie. Et lorsque je suis arrivé ici, j'ai commencé à prêcher et j'avais pas d'ambition. J'avais pas d'ambition, j'aspirais pas. Vous savez, quand tu arrives dans une église, souvent, tu peux, tu peux vouloir, puis moi, j'étais juste là pour servir. Puis un jour, on me dit... Pasteur, on aimerait que tu prêches sur la fin des temps. Puis il est arrivé un moment névralgique dans ma vie où j'étais dans mon bureau. Puis je regarde puis j'ai un texte puis, puis finalement je réalise en lisant Matthieu 24 que si j'enseigne ce que Jésus dit, ça va me mettre dans le trouble parce que c'est pas ça que l'église s'attend. Lorsque tu on dit de prêcher sur la fin des temps, il y a tout un message qu'on s'attend. Et là je me dis oh, si je leur prêche que Jésus a prêché ça ne marchera pas. Et je me suis dit, j'avais tous mes livres, là, j'ai tout repoussé mes livres, et là, j'ai une décision à prendre. Est-ce que je vais prêcher pour plaire au peuple, ou est-ce que je vais prêcher à mon âme et conscience ce que la parole de Dieu dit? Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais prêcher la Bible coûte que coûte, que ça passe ou ça casse, j'aime mieux être fidèle à la parole de Dieu. Et une des grâces qu'on a au portail, c'est que nous avons un peuple qui a faim et soif de la parole de Dieu. Ça a passé. Mais tout ça commence. Avec une, il faut mourir à nous-mêmes. Dieu m'a appris à mourir à moi-même, à mourir à mes rêves, à mourir à mes ambitions. Parce qu'encore une fois, quand Dieu se sert d'un homme, il l'appelle à mourir. Et ça, c'est facile à dire, mais ça fait mal à apprendre. Le plus grand défi du ministère est de vouloir plaire aux hommes. Je continue. Chapitre 33, versets 4 à 7. Il continue, il est où, en disant, l'Esprit de Dieu m'a formé, le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Si tu le peux, réponds-moi. Prends tes dispositions, présente-toi devant moi. Devant Dieu, je suis comme toi. Moi aussi, il parle à Job. Moi aussi, j'ai été tiré de l'argile. Ainsi, la terreur que je t'inspire ne t'alarmera pas et mon autorité ne serait accablée. Une quatrième, une cinquième chose qu'enseigne le pasteur Eliou, et je l'ai appris dans le ministère, c'est que l'autorité spirituelle doit être spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est arrivé un événement où je vais en visite à l'hôpital euh, dernièrement et j'arrive. On me dit Monsieur, vous n'avez pas le droit de visiter. Vous êtes hors des heures de visite. Je vois, mais, mais je suis pasteur. Et là, je vois qu'il ne comprenait pas ce que ça changeait dans son visage. Vous savez, auparavant, un pasteur au Québec, c'est comme une loi non écrite tu peux aller, ministre du culte, tu peux aller à l'hôpital quand tu veux. Du moins, je n'ai jamais eu de difficulté, peu importe les heures, j'arrivais. Et à ce moment-là, j'ai vu que lui ne reconnaissait pas mon autorité. Je peux te dire que je suis un homme de Dieu, un pasteur, il ne reconnaissait pas mon autorité. Et il y a une des choses, même en tant que parent, on se rend compte que l'autorité que nous avons, c'est l'autorité qui nous est reconnue. En tant que pasteur, si le peuple de Dieu ne reconnaît pas mon autorité spirituelle, je ne peux rien faire. Vous savez, on peut donner une direction, mais si personne suit la direction, on ne peut rien faire. Et la clé de l'autorité spirituelle, c'est qu'elle doit être spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose la plus précieuse qu'un leader a dans le ministère, c'est son caractère. Un caractère, et ce n'est pas parfait, c'est un caractère que le Seigneur transforme, mais si tu aspires au ministère, la chose la plus importante qui va te garder dans le ministère ou qui va t'éjecter du ministère, ce pas tes compétences, ce n'est pas ta connaissance, c'est ton caractère. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, Veille sur toi-même comme sur ton enseignement. Quelqu'un dit, ta réputation peut se faire à un instant, ton caractère se construit toute ta vie. Ta réputation se répand sur les réseaux sociaux, ton caractère se manifeste dans ton entourage. Ta réputation grandit rapidement comme un champignon, ton caractère grandit lentement comme un chêne. Ta réputation est ce qui t'amène quand tu arrives à un endroit, ton caractère est ce que tu laisses quand tu pars de cet endroit. Ta réputation peut se connaître en une heure, mais ton caractère vient à la lumière après des années. Ta réputation peut te rendre riche ou pauvre, mais ton caractère te rend heureux ou misérable. Ta réputation, est-ce que les hommes écrivent sur ta pierre sont ton bal, ton caractère est ce que les anges disent de toi? Ta réputation, est-ce que les hommes pensent que tu es ton caractère? Est-ce que Dieu sait que tu es? Le plus important pour le croyant, c'est ton caractère. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Eliou continue le verset 8. Mais tu as dit à mes oreilles, il parle toujours à Job, donc il fait un ministère pastoral envers Job. Et j'ai entendu le son de tes propos. Et Job disait, je suis sans reproche, sans péché, je suis net, il n'y a pas de faute en moi. Et Dieu trouve contre moi de l'hostilité. Il me considère comme son ennemi, il met mes pieds dans les entraves, il surveille tous mes mouvements. Et regardez ce que répond Eliou à Job. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand qu'un homme. Une des choses que la parole de Dieu enseigne et que j'ai apprise au travers des années, c'est que confronter avec grâce est une grâce. La confrontation spirituelle gracieuse est quelque chose que la Bible enseigne. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans les non-dits. Les chrétiens voient des, des, des amis dans la foi, voient des frères et des sœurs, et on se dit Mais ça ne me regarde pas pour voir des comportements qui sont inacceptables, qui discréditent l'Évangile. Et on n'a pas assez d'amour et d'humilité pour s'asseoir avec le frère et la sœur pour, pour, pour lui partager la bonne nouvelle. Vous savez, la Bible dit constamment « Si ton frère a péché, reprends-le, avertis-le, encourage-le. Exhortez-les. Dans mes notes, j'ai une douzaine de références bibliques. Ceux qui m'écoutent, quand tu as du persil entre les dents, est-ce que tu aimes que quelqu'un te le dise ou tu préfères qu'on ne te le dise pas? Tu veux le savoir, hein? Il y a beaucoup plus entre nos dents que le persil, le péché dans nos vies, quelquefois, qu'on ne voit pas. Et souvent de fois, c'est une grâce qu'un frère et une sœur bienveillantes Vienne nous dire, frère, sœur, il y a du persil dans ton cœur. Voici, tu as te dit telle chose, tu te as fait telle chose, avec amour. Pourquoi? Parce que cette, cette confrontation, cette exhortation amène une transformation. Et on voit Eliou qui dit à Job, tu n'as pas raison. Il a le courage de le confronter. Et la parole de Dieu continue, le verset 16. Élieu dit, parlant de Dieu, qu'il fait des révélations aux hommes, il met le saut à leur instruction. Et ce que nous savons, c'est que la parole de Dieu dit que le saut de la révélation de Dieu est la parole de Dieu. Et une des choses que j'ai apprises, c'est que le peuple de Dieu n'a jamais trop de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu n'a jamais trop de la parole de Dieu. Vous savez, une des grâces que j'ai eu au portail dans les 15 dernières années, c'est de prêcher pratiquement la moitié de la Bible au complet. Hein? Au portail avec nos prédicateurs, on a prêché Genèse, Lévitique, Ruth, nimi Job, Épisodes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, as tout ça sur YouTube, as tout ça sur Spotify, Isaïe, Amos, Jonas, Sagesse, Malachie, on a prêché Marc, on a prêché Jean, avec des apôtres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Timothée, Jacques, un Jean, Apocalypse, sans compter des, des portions de livres qu'on n'a pas prêchées au complet, mais qu'on a, a pratiquement prêché tous les livres. Pourquoi parce que c'est ça que tu as de besoin, c'est ça que j'ai besoin. Vous savez un jour on a demandé au pasteur Spurgeon on lui a dit comment est-ce que tu défends la parole de Dieu Comment est-ce que tu défends la Bible Et Spurgeon a dit j'ai pas besoin de défendre la Bible. Est-ce qu'on a besoin de défendre un lion Non. Quand un lion est en cage, relâche-le, il se défendra lui-même. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être défendue. Ce qu'on veut faire au portail, c'est relâcher la parole de Dieu semaine après semaine, et la parole de Dieu se défend elle-même. Mon ami, tu n'as jamais trop de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je prends le temps et lis où? Que je lis des grands segments? Que probablement que dans cette prédication, je passe au travers d'une trentaine de versets. Pourquoi? Parce que lorsqu'un jour tu vas être sur un lit de mort, lorsqu'un jour la fin va approcher, Peut-être que tu vas dire, j'ai trop écouté Netflix, j'ai trop travaillé, j'ai trop surfé sur les réseaux sociaux, j'ai trop gamé, j'ai trop joué à des jeux vidéo, j'ai trop joué au golf, j'ai trop fait ci, j'ai trop fait ça. Mais je te fais la promesse que tu diras jamais, j'ai eu trop de la parole de Dieu. Il n'y a jamais personne qui va dire, j'ai trop lu la parole de Dieu. J'ai trop écouté de prédication de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'a jamais trop de la parole de Dieu. Verset 22 à 24. Encore une fois, il continue son ministère. Son âme s'approche du gouffre, donc il parle des gens autour de lui, dans la bergerie, sur le champ de bataille, de celui qui est dans le besoin. C'est toi, c'est moi. Son âme s'approche du gouffre et sa vie de ceux qui donnent la mort. Mais s'il s'y trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fait grâce et dira Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon. C'est intéressant parce que il y Puis je te rappelle qu'on est des centaines d'années avant Jésus. Déjà, il pointe vers Jésus. Et une des choses que j'ai apprises, c'est pas que tout a toujours rapport avec Jésus, c'est que tout a vraiment toujours rapport avec Jésus. Même il y ah, Il parle que par nature, notre âme s'approche du gouffre de la mort. Puis, de ce qu'on a de besoin, c'est-à-dire, c'est un ange, un envoyé de Dieu qui va intercéder pour nous. Un envoyé spécial, un seul entre mille qui va nous annoncer la bonne nouvelle, qui va nous faire grâce, un médiateur. Donc, déjà, il est où? dit à Job, ton besoin, c'est d'espérer dans un médiateur. Et ce médiateur, la Bible le révèle, c'est Jésus. Et encore une fois, je ne crois pas qu'un jour un pasteur sur son lit de mort va dire, j'ai trop prêché Jésus. J'aurais dû moins prêcher Jésus. J'aurais dû moins prêcher le bienheureux évangile de la grâce. Non. Tout a vraiment toujours rapport avec Jésus. En 1921, il y a un, de, y a un docteur qui s'appelle Evan O'Neill Kane qui a, qui a fait une expérience. Okay, à l'époque, lorsqu'on voulait faire une, une appendistomie, hein, l'ablation de, de l'appendice lorsqu'il y a une inflammation, donc on, le seul remède c'est de, de, de faire l'ablation, de la retirer on fonctionnait avec une anesthésie générale. Et lui, ce qu'il disait, c'est que probablement qu'avec une anesthésie locale, donc, c'est-à-dire le patient reste éveillé, on pourrait faire cette opération. Mais maintenant, le problème, c'est que personne ne voulait se porter volontaire. Personne ne voulait être le patient de ce docteur parce que, dises, OK, c'est une belle théorie, mais je n'ai pas le goût d'être celui qui va se faire opérer conscient. Peut-être que ça fonctionne, l'anesthésie locale, mais euh, essayez avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Et ça a pris des années parce que personne ne se portait volontaire. Et un jour, il y a eu un volontaire. Le docteur Kane a fait l'opération. Ensuite, le patient était en salle de, était à l'hôpital pendant deux jours, a eu son congé. Et ce qui est spécial en cette histoire, c'est que le patient est le docteur Kane lui-même. Alors qu'il personne était volontaire, ce médecin a décidé de faire l'opération sur lui-même. Wow! Afin que les futurs, les futurs patients aient confiance dans le médecin. Jésus, qui est le grand médecin, est venu sur la terre, est devenu le patient, il a subi le péché pour nous, il est mort à la croix pour nous. Afin qu'on puisse avoir confiance dans le grand médecin. Lui, le grand médecin qui est devenu patient, lui, le fils de Dieu qui est devenu homme. Encore une fois, il a subi lui-même l'opération. Et quand on regarde partout dans la Bible, on annonce ce médiateur à venir, ce Seigneur à venir, ce Sauveur à venir. Et tout a vraiment toujours rapport avec Jésus. Et un neuvième principe que j'ai appris dans ces 15 dernières années, qui est encore une fois un principe que Elihu va enseigner. Chapitre 33, verset 26. Il adresse, donc il parle de celui qui, justement, qui est ce médiateur, il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable. Il voit sa face avec des cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Dieu ne fait rien sans la prière. J'ai appris que le succès de cette Église repose sur la prière. Dieu ne fait rien sans la prière. Le succès de cette église repose sur la prière du peuple de Dieu. Un jour, plusieurs années, Spurgeon, j'ai dit que par prédication, je ne peux pas citer Spurgeon plus que deux fois, donc c'est ma deuxième fois. Uh, Spurgeon, les gens qui visitent son église, donc ont à peu près 1850. Puis ils visitent l'église, les gens voient le sanctuaire, puis voient tous les, les bureaux, puis wow, c'est le hall. Et Spurgeon dit Hey, je voudrais vous montrer la, la salle de chauffage. Les gens sont comme. Ben non, ça va être correct. Il dit, non, non, je vais vous montrer la salle de chauffage. Non, non c'est une belle église, ça va. Non, non, permettez-moi de vous montrer la salle de chauffage. Et Spurgeon arrive, puis il y a des gens qui le suivent, il ouvre la porte, puis en fait c'est une salle très, très ordinaire, et il y a des gens qui prient. Puis il dit, voyez-vous, ça, c'est la salle de chauffage spirituelle de notre église. La chaleur spirituelle du portail est déterminée par la prière des gens. Lorsqu'on demanda à Spurgeon, sur quoi repose le succès de ton église? Il disait, le peuple prie pour moi. Le succès du portail, c'est que le peuple du portail prie pour ses pasteurs, prie pour ses bergers. Et c'est ça qui fait la différence. Sérieusement, c'est ça qui fait la différence. Dieu ne fait rien sans la prière. Et à toi qui se pose la question, est-ce que Dieu répond vraiment à la prière? Encore une fois, Spurgeon, ça ne fait pas plusieurs fois, c'est toujours la même illustration, donc c'est toujours la deuxième fois. Spurgeon a dit, dix minutes à prier est toujours mieux qu'un an à murmurer. À toi qui m'écoute, arrête de te plaindre, arrête de chialer, arrête de te murmurer et commence à prier. Parce que Dieu ne fait rien sans la prière. C'est le moyen que le décrété, il était pour répondre à la prière, il agit en réponse à la prière. Quelqu'un devrait dire, gloire à Dieu pour ce Dieu qui répond à la prière. Et je continue, verset 27. Il continue en disant, il chante devant les hommes, il dit, j'ai péché. J'ai perverti ce qui est droit et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Quand on me pose la question, comment va l'Église de Portail mieux que je le mérite? Vous savez, après ces 15 années où je compte mes bénédictions, je me rends compte que tout ce qui fonctionne dans cette Église est dû à Jésus. Tout ce qui ne fonctionne pas est de ma faute. Sérieusement. Sérieusement, c'est ma conviction profonde. La réalité, c'est que l'Église, Paul Le Portail, va mieux que je le mérite. Quand on regarde à notre santé, quand on regarde à notre taille, quand on regarde au, au nombre de nos sites, bientôt cinq, quand on regarde à nos, les conversions, les baptêmes, nos membres, les ministères, les finances, l'influence, honnêtement, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Pourquoi? Parce que nous sommes faillis, Moi, le premier. Vous savez, on voit souvent les bons coups, mais on a fait tellement d'erreurs. Je vais parler pour moi, j'ai fait tellement d'erreurs. Il y a des choses qu'on a échappées, il y a des gens qu'on a négligés, il y a des choses au travers des années, vous savez, on n'est pas parfait, on s'améliore. Juste une parenthèse. J'ai quelqu'un, une sœur, qui est venue me voir il y a quelques semaines pour me dire Pasteur, depuis des années, j'ai quelque chose contre vous. Depuis des années, j'ai de l'amertume contre vous parce qu'à un moment donné, vous m'avez dit quelque chose, puis je l'ai interprété comme étant négatif, comme puis, puis depuis ces années-là, j'ai de l'amertume. Puis en fait, la sœur vient me voir pour me demander pardon c'est une occasion, en même temps, à mon tour, qu'elle ne faisait pas pour ça, mais je demande pardon parce que, vous savez, c'est pas honteux de demander pardon, c'est honteux de jamais demander pardon parce que nous sommes pécheurs. Vous savez, on fait au portail, on, fait, on a fait plein de bons coups et assurément, on a fait des mauvais coups. Puis s'il quelqu'un qui m'écoute, pour une raison ou une autre, pour une raison ou une autre, tu as été offensé. Il y a quelque chose qui traîne, il y a quelque chose. Je veux juste te libérer. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Puis, je ne vais pas le faire facilement en disant, oh, mais juste s'il y a quelqu'un qui porte quelque chose, vous savez, cette te là venue nous voir, puis moi, j'étais zéro conscient de ce qu'elle vivait. C'est ton cas, frère, soeur, sois relâché, sois relâché. Euh, je te demande de nous faire grâce, je te demande de nous faire grâce. Euh, je te demande pardon, je te demande pardon, parce qu'encore une fois, on fait notre possible, on fait de notre mieux, puis oui, on a fait des erreurs, on en a échappé, puis on va en faire encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Église de Portail va mieux qu'on le mérite. Dieu nous fait grâce. Je continue. Chapitre 34, le verset 9 à 10. ou et, et parle de, de l'homme qui dit, car il dit, de ceux qui disent, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Élieu répond, écoutez-moi donc, homme de bon sens, loin de Dieu la méchanceté, loin du Tout-Puissant l'injustice. Une des choses que j'ai apprises également, c'est que le but ultime de la vie est d'apprendre à prendre plaisir en Dieu. Par exemple, les parents. Alors, on a tous vécu ça où on amène notre ado en voyage. Euh, et notre ado va faire, comme on dit au Québec, la baboune. Hein? Il, il a une mauvaise attitude. Puis en fait, on veut l'emmener en voyage, mais le but, ce n'est pas simplement de l'emmener en voyage. Ce serait tellement plus agréable s'il si prenait plaisir au voyage. Vous savez, Dieu, le but de Dieu ultime, ce n'est pas de t'amener au ciel. Le but ultime de Dieu, c'est que tu apprennes à prendre plaisir en lui. C'est pourquoi Jésus va dire La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, n'oublie pas, encore une fois, le but ultime de la vie, c'est d'apprendre à prendre plaisir en Dieu. Chapitre 37, 1 à 16, je fais rapidement, j'ai presque terminé. il dit. C'est pour cela que mon cœur est tout tremblant, qu'il pondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le fracas de sa voix, le cronnement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix se fait entendre. C'est merveilleux comme Dieu donne de, tonne de sa voix. Il fait de grandes choses que nous ne reconnaissons pas. Wow! J'aime Eliou. Eliou est en feu. Pilio a compris que rien de plus pratique qu'une bonne théologie. J'ai dit, mais qu'est-ce que je veux dire? La prédication, j'aime beaucoup ce que Martin Lloyd-Jones va dire, c'est que la prédication et la théologie en feu. Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'on a besoin des deux. Il y a beaucoup de chrétiens et de pasteurs qui vont choisir le feu. On veut le feu, le feu, le feu. Mais le feu s'embûche, sans, sans, sans il s'éteint. Tu peux être un cracheur de feu, c'est spectaculaire, mais il ne reste rien. Et le bois sans feu, c'est froid. La théologie sans la passion, c'est froid. Et la passion sans la théologie, c'est vain. Tu as besoin des deux. Tu as besoin que Dieu remplisse ta tête et remplisse ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Plus que tu connais Dieu, c'est ça la théologie, plus que tu connais Dieu, tu connais sa parole, plus que tu es, es enflammé, plus que tu es passionné, plus que tu aimes ce Dieu et plus que ta théologie devient une adoration, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théologie. Verset 22-23. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable, nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par le droit, par une souveraineté. Par une souveraine justice. Une des choses que j'ai apprises, que Léo enseigne, c'est qu'on ne peut accorder trop de souveraineté à Dieu. Vous savez, des gens qui pensent qu'on peut trop prêcher la souveraineté de Dieu, mais tu ne peux pas accorder trop de souveraineté à Dieu. Tu ne veux pas être celui qui dit Mais Dieu n'est pas souverain tant que ça. Pourquoi? Parce que notre problème avec la souveraineté de Dieu, c'est qu'on le voit comme un dosage. On le voit comme euh, un équilibre entre la responsabilité, de la liberté humaine et la souveraineté de Dieu. Ah, on voit ça un peu comme le thermostat. Le thermostat pour que ça soit agréable dans la pièce, c'est le parfait équilibre entre le chaud et le froid. Mais c'est pas ça la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu n'a pas à être en équilibre avec ta liberté. La Bible dit que Dieu est totalement souverain et l'homme est totalement responsable. Je te donne un exemple, okay? Peut-être l'analogie est boiteuse, mais imagine, OK, un jeune homme qui vient à l'église et il arrive, il voit l'autobus, il voit trois membres de son église. Il y a premièrement une dame âgée qui est très, très malade, mais qui veut être... Elle est là chaque semaine, donc elle est là, elle attend. Les trois membres sont là. Il y a de la neige, il fait froid. Et ce jeune homme-là est en voiture. Il y a plein de boîtes sur le, le siège arrière. Il y a une seule place de disponible. Donc, il y a cette dame-là. À côté... Il y, a, il, y un, il y a un diacre de l'Église qui, sa voiture est en panne, qui prend l'autobus, qui est là, qui jette avec la dame. lui attend. Et là, il se dit Bon, mais à qui est-ce que je fais le lift Est-ce que je fais le lift à la dame âgée Est-ce que je fais le lift euh, au, au frère qui, qui, a, une, qui a de l'influence Et à côté, il y a une jeune femme qui l'a vu à la jeunesse, puis il y a comme un, le béguin pour elle, puis il se dit Ah, oh, puis il prie, Seigneur, est-ce que c'est la femme que tu as pour moi puis, Et là, il a un dilemme. « Qu'est-ce que je vais faire? » Il a la liberté de choisir. Est-ce que je vais choisir la dame âgée, la sœur âgée? Est-ce que je vais choisir le frère qui a l'influence? Est-ce que je vais choisir la jeune fille? Qu'est-ce que tu choisirais? Mais de la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu pense hors de la boîte. Est-ce que tu sais c'est quoi la chose, la meilleure décision? C'est pas de dire à la dame âgée, « Viens dans la voiture. » C'est pas de dire au diable, « Viens dans la voiture. » C'est pas de choisir la jeune fille. C'est quoi la meilleure décision? C'est de débarquer de la voiture, donner les clés au diacre, de demander à la sœur aînée de venir à côté de la voiture et toi d'attendre l'autobus avec la jeune fille pour te le béguin. Ça, c'est Bright. Ça, c'est la souveraineté de Dieu qui pense au-delà de la manière que toi, tu penses. Et au portail, on l'a vécu. On a, au travers les différentes situations où on se aimait. mais voyez, c'est une impasse. On a vu la souveraineté de Dieu. Vous savez, il y a quelques années, mon bon ami, de pasteur Philippe, est retourné en France, puis. C'était non seulement moi en tant que pasteur, mais en tant qu'ami, c'est comme, oh, une lourde perte. Mais Dieu s'est servi de cette situation-là pour m'amener à dire, on doit former la relève. Et si aujourd'hui nous avons un paquet de jeunes pasteurs prédicateurs qui aiment Jésus, c'est à cause de cette situation-là. Dieu nous a amené à penser hors de la boîte. Dans la pandémie, Dieu nous a amenés à mieux prendre soin de nos membres. Et je pourrais continuer. Donc, on ne peut pas accorder trop de souveraineté à Dieu. Et j'ai presque terminé. Chapitre 37, verset 14, Elihu dit Job, prête l'oreille à, à ces choses, arrête-toi pour comprendre les merveilles de Dieu. Il faut prendre le temps de s'arrêter pour comprendre les merveilles de Dieu. Puis je prends quelques instants juste pour euh, remercier. Remercier l'Église et des gens qui, qui ne fréquentent pas le site de Laval. Vous êtes de, de Saint-Eustache, vous êtes de, vous êtes de, de Terrebonne. Euh, évidemment aujourd'hui à l'Abitibi, j'étais là la semaine dernière, et, et vous êtes au portail depuis des années, et, et vous êtes fidèles au portail. Euh, merci. Je veux vous remercie parce qu'encore une fois, euh, le succès de cette Église repose en grande partie sur vous. Euh, juste plein de reconnaissance pour mon équipe pastorale. À une douzaine de pasteurs qui, qui aiment Jésus, qui, malgré toutes les épreuves, ont demeuré unis. Euh, L'équipe administrative, les, le conseil des diacres, qui, au travers des années, où le, les conseils ont changé, mais toujours une, une main, un même cœur pour l'Église de Jésus. Euh, puis remercier en même temps, hey, il y a plusieurs années, il y a deux hommes qui ont cru en moi, pasteur Marc Lecomte et pasteur Claude Houd, qui, qui m'ont approché pour devenir le pasteur de cette Église. Puis, puis je, les, je les remercie, leur envoyer un petit mot parce que eux ont vu en moi quelque chose que personne ne voyait. Euh, je remercie Pasteur Sam, le fondateur de cette église qui est encore un grand support. Euh, vous, encore, qui, qui, qui suivez le portail, qui nous encouragez, qui, semaine après semaine, alors qu'on a ce ministère en ligne, vous êtes là, euh, juste prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps de m'arrêter pour, pour remercier Dieu pour les gens qu'il a mis autour de nous. Euh, et je pourrais parler de mon épouse. Hein? Mon épouse, alors qu'elle voyait ça, elle me disait, lorsqu'on a eu l'opportunité, elle aussi n'était pas convaincue, mais elle me dit, peu importe la décision que tu vas prendre, je vais te suivre. Euh, vraiment, mon épouse qui est une grâce, vous savez, plusieurs pasteurs, leur épouse peut... C'est un peu délicat, mais quelquefois, une épouse peut être un fardeau. Dans le ministère pour plein de raisons. Des fois aussi, euh, un pasteur, on peut voir l'Église non pas comme l'épouse de Gris, mais en enfin notre maîtresse, puis être moins à la maison. Puis... Donc, peu importe. Je suis simplement reconnaissant pour mon épouse qui est, qui est un support, qui, qui, qui sert l'Église, qui est là. Et je termine. Chapitre 36, verset 22-24. Dieu se montre sublime par sa force, qui se renseigne comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui peut dire, tu as commis une iniquité? Souviens-toi d'exalter son œuvre que les hommes célèbrent dans leurs chants. Tout être humain le contemple, tout homme le voit de loin. Dieu est grand, mais nous ne savons pas le reconnaître. Le nombre de ses années est insondable. Et finalement, le 15, la quinzième 15, vérité, simplement, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Euh, c'est un privilège de pouvoir servir Jésus semaine après semaine, de pouvoir servir l'Église. Euh, je remercie mon Sauveur pour sa fidélité, pour sa patience envers moi, pour sa grâce, pour sa bonté. Et ma prière, c'est que Dieu me donne encore 15 autres années minimum, des années qui m'amènent à encore mieux prêcher la Bible, à être un meilleur pasteur, à plus prêcher Jésus, à mieux exalter la grâce de Dieu, à mieux contempler la gloire de Dieu. Si Dieu me fait cette grâce dans les premières années, je pourrais dire que ma vie sera réussie. Ma seule ambition, c'est qu'il croisse, que je diminue et que sa volonté soit faite. Donc, à lui soit la gloire. Est-ce que je peux entendre un Amen? Hallelujah. À vous tous qui avez entendu le message de l'Évangile, si vous souhaitez en connaître davantage sur Jésus, la Bible, l'Église ou quoi que ce soit d'autre, comme par exemple partager un défi, un témoignage, une requête de prière ou obtenir un soutien particulier, je vous invite à nous écrire à info à -de et un membre de l'équipe va vous contacter le plus rapidement possible. Et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse que j'ai à cœur depuis un certain temps et de m'adresser aux membres et amis qui étaient avec nous avant la pandémie et qu'on côtoyait régulièrement. Pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas encore revenu en présentiel encore. Et naturellement, je sais bien que ce ne sont pas tous qui peuvent revenir en ce moment pour des raisons de santé, par exemple. Mais si vous vous sentez interpellé par cette petite parenthèse, reconsidérez, vous déplacez pour venir voir la famille spirituelle et vivre vraiment l'Église avec les frères et les sœurs. Vous nous manquez. Et je suis à peu près certaine qu'on vous manque aussi, du moins je l'espère. C'est tellement important de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. On a besoin les uns des autres pour grandir dans la foi et s'encourager les uns les autres dans l'amour que l'on partage pour notre Seigneur. Sachez qu'on prie pour vous et on souhaite vous revoir. Voilà pour la petite parenthèse aujourd'hui. En terminant, au nom de toute notre équipe et du comité d'administration, merci pour votre soutien, votre générosité. Je sais qu'on le répète souvent, euh, mais nous ne prenons pas pour acquis votre contribution. L'œuvre de Jésus continue à sauver et transformer des vies et votre soutien est important. Il contribue concrètement à notre mission de faire des disciples pour Jésus. Alors, pour nous soutenir, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en écrivant à don à encore une fois, merci d'avoir été là. Et pour reprendre les paroles de l'apôtre Paul, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bonne semaine.